La nuit sera certainement longue pour les Bleus Blancs, impatients de retrouver leurs camarades dès ce lundi. Dans la matinée, une rentrée de classe pas facile pour certains parents au budget juste ou inférieur à la moyenne. Nos enquêteurs étaient dans le marché de la capitale pour mesurer la température à la veille du 5 septembre. Les images dans la partie magazine de cette édition. Et loin de Kinshasa à Yangambi, dont la Tchopo seront lancés ce même lundi, les travaux de la pré-COP 27, le Premier ministre Samalou Kondé est déjà sur place. Le point sur son arrivée, c'est dans la première partie de ce journal qui s'ouvre juste après cette courte transition. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue au 20h, le MAG. Pays solution pour les problèmes climatiques mondiaux, la République démocratique du Congo lance dès demain sa pré-COP 27 à Yangambi, dans la Tchopo. Le Premier ministre Samalou Kondé Jean-Michel, qui va présider ce travaux préparatoire, est arrivé ce dimanche dans la Tchopo. Nos reporters n'ont pas raté ce premier mot. Patit Ndouango. C'est pour lancer les travaux préparatoires de la COP 27 qui débute ce lundi 5 septembre 2022 à Yangambi, localité du territoire d'Isangi, que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a fait le déplacement ce dimanche 4 septembre 2022 pour la province de la Tchopo. À son arrivée, le chef de l'exécutif national a donné l'agenda de son séjour dans cette province qui prévoit, entre autres, la rencontre avec les autorités locales et des forces vives pour les diagnostics des différents problèmes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a déclaré la République démocratique du Congo comme étant pays solution sur les questions du climat et de l'environnement. Et dans ce même élan, nous nous sommes engagés dans le cadre de la préparation de la COP 27 à voir et accueillir ici tous les scientifiques par rapport à la pré-COP 27. Et c'est ici, à Yangambi, au cœur de ce dispositif environnemental, que nous avons choisi de tenir ces réunions. Chaque fois que, en tant que chef du gouvernement et Premier ministre, je séjourne dans une province, c'est aussi l'occasion d'échanger avec tous les fils et filles de la province, de prendre la température et de voir les différents problèmes qui ont besoin d'être solutionnés de manière à apporter notre apport. Donc nous allons avoir une série d'activités, de rencontres, et y compris ce lancement de la pré-COP 27. Et donc nous sommes très heureux d'être ici dans la province de Tchopo à Kisangani, et nous avons hâte d'assister à la suite du programme. La 27e conférence sur les changements climatiques va se tenir du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte. Et pour atteindre Yangambi, où se tiendront ce travaux de la conférence préparatoire de la COP 27, il faut d'abord atteindre Kisangani. La voie routière entre le chef-lieu de la Tchopo et Yangambi dans le territoire d'Isangi étant impraticable, les organisateurs ont fait recours à la voie fluviale. Et de quelle manière? Françoise Bouelabouaki, notre envoyée sur place, nous explique. Dimanche 4 septembre, 9h, Olivier Bierler commande ses équipes. C'est le patron de la société recrutée pour tout organiser en termes de logistique. Bon, vous savez, c'est un projet sur lequel ça fait 3 mois qu'on travaille. Quand on a récupéré les bases à l'ONATRA, on a tout réfectionné. Et puis, on a fait le convoi jusqu'à Kisangani. On a d'abord remis toute l'installation électrique, on a tout repeint. Donc là, vous avez les cuisines et puis on a aussi des magasins où on stocke tout ce qui est nourriture, lingerie. On a aussi une buanderie avec des machines à laver pour laver tous les draps de lit. On a une infirmerie. En fait, les bateaux sont complètement équipés, quoi. C'est-à-dire de la cuisine, buanderie, infirmerie, restauration et tout et tout. Le bateau Poka, 2 moteurs, 325 chevaux, est prêt à pousser les 2 barges complètement rénovées pour assurer le voyage pour la conférence scientifique vers Yangambi. En fait, la solution des bateaux, elle règle 2 problèmes. D'abord, le problème de transport des invités de Kisangani à Yangambi. La route est impraticable actuellement. Les ponts, il y a au moins 5 ponts qui sont impraticables. Donc, c'était impossible d'amener autant d'invités à Yangambi. Richard Mbeau, 63 ans, le capitaine du bateau a plus de 30 ans de carrière. Il est formé à l'école de navigation à Kinshasa. Quand on se prépare pour un voyage si difficile, on se réveille tous les matins. À partir de 2h, 3h du matin, vous devez d'abord vous réveiller. Vous faites votre prière et ensuite vous regardez les dispositifs de voyage. Au total, nous sommes 17
17 membres de l'équipage. En organisant la conférence scientifique dans le cadre de la pré-COP 27, Eve Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a gagné un pari, celui d'attirer l'attention de la planète tout entière sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, pris comme pays solution face à la crise de l'environnement, face au changement climatique. Près de 300 personnes vont effectuer le voyage de Kisangani, Yangambi. Le premier ministre-chef du gouvernement et quelques-uns de ses membres sont attendus dans ce bateau. La durée du voyage, 2 heures. Depuis Kisangani, au bord du fleuve, Françoise Bouela-Bouaki, Jonathan Bianga, Pompon Umba pour la RTNC. Merci Françoise Bouela pour toutes ces précisions. La rentrée de classe, c'est demain pour les Bleus Blancs. Si certains enfants sont garantis de retrouver leurs compagnons d'études ce lundi, d'autres considérés comme démunis, à l'exemple des orphelins, n'en ont aucune certitude. Les plus gracieux de cette catégorie sont ceux qui, par chance, rencontrent des bienfaiteurs, comme ce couple approché par nos reporters qui ont décidé d'apporter le sourire à quelques enfants. Bobete Ngalisomba, Tony Djuma. Parmi ces enfants, certains ont été abandonnés par leurs géniteurs. D'autres encore ont perdu tôt leurs parents et les membres restants de leur famille ne savent pas les prendre en charge, notamment pour les scolariser. Recueillis dans cet orphelinat dénommé Sourire d'enfant, ces enfants s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école ce lundi 5 septembre comme d'autres enfants évoluant sous le toit familial. Je passe en troisième certificat, nous vivons très bien. Il y a des mamans qui sont avec nous et des papas. Ils nous soutiennent même lorsqu'il y a des difficultés. Lorsqu'on a un problème, on se confie à eux. Des baskets, sacs à dos et autres fournitures scolaires ont été mises à leur disposition. C'est l'initiative du couple Nzao qui est devenu leur parent et qui leur a offert un toit. Nous avons choisi d'aider les orphelins. Si les gouvernements peuvent nous assister, nous donner l'exonération et surtout par rapport aux papiers, en fait, les documents. La plupart de ces enfants ont été recueillis à bas âge. Ils portent désormais un nom de famille. Nzao, promoteur de cet orphelinat qui dispose, en plus d'une école, d'un hôpital, des dortoirs, des réfectoires, d'une école de foot et d'un terrain de football pour une prise en charge holistique de cette catégorie des personnes. Une façon pour ce couple de redonner du sourire à ces êtres qui l'ont perdu tôt. Il faut impérativement mettre fin aux tueries, mieux au conflit entre Teke et Akar dans le Maïndombe. Le vœu est celui exprimé par plus d'un Congolais. La délégation gouvernementale que conduit Daniel Asselo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, est passée par Kenge où elle a tenu une séance de travail avec les deux parties. Des décisions et recommandations sont attendues dans les jours à venir. José Baïtombo. Le conflit intercommunautaire qui oppose les Teke et les Yaka à Kwamout dans la province de Maïndombe continue à préoccuper le gouvernement de la République qui vient de dépêcher une forte délégation conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, dans la cité de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, en vue d'échanger avec les différentes notabilités Yaka dans la perspective de retrouver une paix durable. Cette délégation gouvernementale a été chaleureusement accueillie par le gouverneur du Kwango, Jean-Marie Petit-Petit Tamata, et la population locale. Immédiatement, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, chef de la délégation, a tenu une réunion de sécurité avec les autorités locales. Question de se faire une idée nette de la situation qui prévaut dans la province avant de recevoir tour à tour les chefs coutumiers, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge, les députés provinciaux et la société civile. Il s'y est de noter que cette mission gouvernementale est la suite logique des discussions amorcées avec les notables Teke Akwamout pour retrouver l'harmonie et la paix intercommunautaire entre les deux communautés. Outre les VPM en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, chef de la délégation, cette mission comprenait Mme Rose Mutombo-Kiese, ministre d'État en charge de la Justice, Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, et Fabrice Puella des Droits Humains. Les nouvelles du front, les forces armées de la République démocratique du Congo conservant leur position, demeurent vigilants et en même temps renforcent tous les jours leur endurance physique pour contraindre l'ennemi à l'échec. Ceux de la garnison du chef-lieu de l'Ituri étaient dans les rues de Bounia, une autre façon de rassurer la population de sa sécurité.
la défense de la ville de Bounia, la discipline militaire, l'esprit des corps et la mise en condition des unités de la garnison du chef-lieu de l'Ituri, telles sont les missions dévolues au commandant de la 32e région militaire. L'accomplissement de cette lourde tâche nécessite que des efforts soient fournis constamment. C'est dans ce cadre que le général-major Peter Chirumwami a organisé une marche d'endurance physique ce samedi. État-major de la 32e région militaire, point de départ de la dite marche, les éléments de FRDC ont sillonné les différentes artères de Bounia. Question de rassurer la population de leur engagement et promptitude à répondre à toute éventualité, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FRDC à Ituri. La marche d'endurance organisée par le commandant de la 32e région militaire, le général Chirumwami Peter, sur l'instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, a l'unique objectif d'assurer l'endurance physique, morale et ainsi l'esprit de corps qui doit nous caractériser comme une armée. Justement aussi pour montrer notre détermination à protéger la population, être prêt à répondre à toute éventualité d'une quelconque menace dans la ville de Bounia. Rappelons que c'est sur instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Bouyanka Chomo Johnny, que chaque samedi, une marche d'endurance physique est organisée au chef-lieu de l'Ituri, à laquelle prennent part toutes les unités de la garnison de Bounia, une façon de créer la cohésion et le reconditionnement physique, car dit-on, un esprit sain dans un corps sain. Et puisque nous parlons de défense, sachez que les Jeux de Grand Lac du sport militaire pourraient bien avoir lieu l'année prochaine en République démocratique du Congo. L'organisation du sport militaire en Afrique, OSMA, qui pilote son organisation, a procédé cette semaine à la décoration de personnalités politico-militaires congolaises pour leur leadership dans la pratique du sport militaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministre de la Défense font partie de personnalités décorées. Je joins Dibou Kaboulo, Thierry Nzazi, on signe ce reportage. Le sport reste un élément important pour le renforcement des capacités des hommes en uniforme. La RDC étant reconnue comme l'une des grandes nations sportives en Afrique, voilà qui justifie la cérémonie de décoration des hautes autorités politico-militaires par le président de l'Organisation du sport militaire en Afrique, OSMA, et vice-président du Conseil international du sport militaire pour l'Afrique en RDC. L'activité a été présidée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda, au Collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD. Plusieurs allocutions se sont succédées, notamment celle du président de l'OSMA, du chef d'état-major général des FRDC, ainsi que du ministre de la Défense nationale, ce avant la remise des diplômes et médailles aux autorités politico-militaires par le général de brigade Adé Richard Boyombo, coordonnateur du CISM, entendait Conseil international du sport militaire, la toute première. Décoration a été attribuée d'abord au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FRDC, au titre de grand cordon du mérite de l'OSMA. Ensuite, au ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, et au chef d'état-major général des FRDC, Célestin Balamoussense, au grade des grands officiers du mérite OSMA. Enfin, tant d'autres autorités politico-militaires ont été également décorées en qualité d'officiers du mérite et de l'OSMA. L'OSMA et le CISM comptent organiser le Jeu des Grands Lacs du sport militaire en RDC l'année prochaine avec l'approbation des autorités compétentes. Vous avez donc compris, nous sommes de plein pied dans la partie magazine de ce journal. Le président de la République a pris, vous le savez, acte cette semaine de serment de haut magistrat au Palais de la Nation. Cette même semaine a vu les ambassadeurs congolais nouvellement accrédités recevoir les directives du chef de l'État avant leur installation dans les pays respectifs. Plusieurs autres activités déployées par le chef de l'État sont reprises dans ce résumé de Pierre Kibembe Somoïsa.
Au palais de la nation, des hauts magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à la Constitution. C'était au cours d'une cérémonie hautement judiciaire. Il s'est agi des hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État nommés par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2022, ainsi que des magistrats des sièges, membres de la Cour des comptes, nommés également par ordonnance présidentielle le 27 juin 2022. Ces hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions leur confiées. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et les a félicités. Les magistrats civils des sièges conseillers à la Cour de cassation, le premier avocat général près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, le président du Conseil d'État, les conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État et les membres de la Cour des comptes ont également prêté serment devant le magistrat suprême. Récemment nommé et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Ghana, au Qatar, au Libéria, au Canada, au Vatican, en Corée du Sud, en Russie et en Tanzanie ont été conduits auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont échangé avec le président de la République sur des questions liées à leur mission dans leurs différents pays d'accréditation. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora ont notamment constitué les recommandations du chef de l'État aux ambassadeurs de la RDC. Le développement du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Kasaï central était au menu des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le gouverneur de ces trois provinces, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine. Pour Madame le gouverneur du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika, ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, Madame Julie Yungwa Mwayuma. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katende, sont au centre des préoccupations au Kasaï central, a déclaré le gouverneur de province John Kabeya Shikai au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le chef de l'État. La paix, rien que la paix, c'est la grande recommandation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au chef traditionnel originaire du Kwilu et du Kwango, reçu à la Cité de l'Union africaine. Le garant de la nation a été très sensible face à la situation sécuritaire liée à la vie des compatriotes au cours du conflit Teke-Yaka qui a occasionné des pertes en vies humaines. L'obligation a été faite à ses interlocuteurs de faire des concessions pour un retour de la paix durable dans le grand Bandundu. Le chef de l'État a sollicité les avis des chefs religieux des milieux en conflit et leur a demandé d'entamer des pourparlers pour une solution concertée. La dizaine de chefs traditionnels du Kwilu et du Kwango étaient venus faire le rapport au président de la République des résultats de leur démarche concernant la certification et l'authentification des Kakaungu, masque soukou, restitué à l'RDC au mois de juin dernier par le roi Philippe de Belgique. Cette semaine qui s'achève est celle qui a vu le gouvernement de la République et les syndicalistes se mettre d'accord sur la mise en application d'une nouvelle politique salariale. Les tueries de Kwamou dans le Maïndoumbé et l'incendie du marché de la liberté, autant de sujets exploités par notre rédaction au courant de la semaine. Sandra Nyangui revient sur ce fait en quelques minutes. La semaine qui s'est achevée recelait plus d'une actualité brûlante. Le marché de la liberté, à peine réhabilité dans quelques-uns de ses pavillons, que le feu a encore causé des dégâts importants. Des marchandises parties en fumée et des bâtiments calcinés à cause, dit-on, d'un feu oublié par un des occupants.
les morts de Kwamout, les déplacés et des champs abandonnés, un tableau sombre que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et sa délégation ont peint au premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. À Kisantu dans le Congo central, c'est un diagnostic sans complaisance du sport congolais qui a été fait. Le ministre des Sports et tous les acteurs du sport national, toutes les disciplines confondues, ont autopsié le sport congolais pour lui donner un nouveau tonus. Aux affaires étrangères, la 103e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenue par visioconférence sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala-Peniapala, est longtemps revenu sur la présence de l'armée rwandaise à Bunagana. Le ministre de la Défense nationale a également pris part à cette rencontre. Clôture de la 11e session du Parlement panafricain à Midrand, en Afrique du Sud. La RDC, qui a participé à ces assises, a profité de cette occasion pour dénoncer et décourager les pays africains qui instrumentalisent les groupes armés, notamment le Rwanda, qui soutient le M23. À la fonction publique, l'heure était à l'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021. Les syndicalistes et le gouvernement étaient en réunion paritaire et une nouvelle politique salariale sera d'application. C'est l'essentiel des travaux que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a clôturé dans la semaine. Les Belges veulent réécrire une nouvelle page d'histoire avec les Congolais. Une délégation des parlementaires de la commission Passé-Colonie a séjourné à Kinshasa avec pour mission de jeter un regard croisé sur le passé colonial et commencer une nouvelle marche. Une démarche saluée à sa juste valeur par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui l'inscrit dans la suite du récent passage du roi Philippe en République démocratique du Congo. Rentrée scolaire oblige, cette cérémonie à Chobeuse a coïncidé avec la remise des kits d'objets scolaires aux orphelins. Un motif de fierté pour la présidente de Gram, mais aussi le parrain de la cérémonie, le président du Sénat, représenté par son deuxième vice-président. L'obtention de 85% à l'examen d'État, c'est le critère pour être candidat à la bourse Excellencia. Le programme est déjà à sa deuxième édition. Deux boursiers sont arrivés dernièrement en France pour étudier et participer plus tard au développement de la République démocratique du Congo. Pas de différence de prix, disent certains. Il y a hausse, en argumentent d'autres parents, tous en quête d'objets classiques pour leurs enfants. Les marchés de la capitale ont reçu de parents jusque ce dimanche. Les vendeurs, eux, se plaignent de la rareté de clients, contrairement à l'année dernière. Constance Mandanga et Jean-René Kabomba étaient sur le terrain et nous proposent ce dossier. L'effervescence de la rentrée scolaire s'annonce, se fait voir dans tous les milieux, tant sociaux que scolaires. Une observation faite sur le terrain, le climat morose dans les écoles tant publiques que privées. Les inscriptions se poursuivent à compte-gouttes. Les bons nombres de chefs d'établissement s'en plaignent. Toutefois, tous sont prêts pour accueillir les élèves de ce lundi 5 septembre 2022. Nous sommes en train de nous préparer, et moi en tant que directeur des études, j'ai déjà élaboré les attributions des professeurs, les horaires, les documents à leur remettre. Et puis, les travailleurs sont en train de nettoyer des salles, vous le voyez, la salle de machine est en train de préparer. Et je crois que tout est prêt pour que le 5, nous reprenons tel que les autorités nous demandent. Tous les parents savent déjà de l'école, tout commence. Je vois, travaux. Donc, il n'y a pas de choix. Là, le premier jour, il ne faut pas. Parce que le départ est déjà là. Un problème sérieux ronge ces secteurs susceptibles de paralyser les débuts des cours. La situation des retards de paiement des enseignants constatés dans quelques banques, notamment Access et autres. Suite à cela, les enseignants demandent l'implication du gouvernement de les affilier dans d'autres banques, question qu'ils soient motivés à temps pour encadrer leurs élèves. Nous constatons que la banque qui nous paye n'a pas encore fait signe jusqu'à aujourd'hui et que nous avons les enfants qui doivent aller à l'école. Nous demandons au ministre de l'EPST qui sait que les enseignants sont payés par l'Access Bank. Et nous savons que
notre argent est viré trois mois avant. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à mesure de trouver notre argent. Malgré ces plaintes, certains enseignants se disent prêts à reprendre les cours dès le lundi après avoir suivi les différents séminaires mis à niveau. En ce moment, l'heure est à l'aménagement des locaux et les préparatifs à l'interne avant la rentrée des classes. La rentrée est effective le lundi 5. Quand vous trompez, quoi que certains disent à gauche, à droite, mais le ministre avait bien signé, c'est le lundi 5. Nous attendons les enfants. Chers parents, envoyez les enfants. Nous sommes là, prêts. Et cette rentrée scolaire, je souhaite qu'elle soit vraiment la meilleure parce que chez nous, dans les écoles de référence, vraiment, c'est du travail et la formation. Comme à la Congolaise, on est pressé surtout dès que les enfants rentrent à l'école. Et comme il y a toujours des bouts, chaque année, il y a un peu un bout de grève quelque part qui se signale. Alors les parents sont un peu réservés. Ils attendent de voir réellement la rentrée pour maintenant se bousculer vers les écoles et aller régler ce qui doit venir aux écoles. Certains parents passent néanmoins au marché pour avoir une idée sur les prix des différents objets classiques. Les prix des cahiers sont à la hausse, a témoigné un parent. Mais qu'est-ce que je constate ici, la hausse des prix, hein? Tenues scolaires, les habits, pratiquement tout a bougé, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tout a bougé. C'est la rentrée qui a fait bouger tous les prix ou quoi? Dans les marchés, il s'observe un grand engouement des parents et élèves. Malgré cela, les vendeurs de fournitures scolaires se plaignent que leurs articles ne soient pas achetés. Non, cette année, toujours nous ne vendons plus les fournitures scolaires. Les écoles en sont devenues des marchés obligatoires pour les parents. Le gouvernement doit être un peu plus regardant sur cette question. Dans tous les cas, les uns et les autres sont convaincus que les cours reprendront ce lundi 5 septembre dans toutes les écoles, tant publiques que privées, à travers les territoires nationaux, a affirmé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Vous avez très certainement reconnu le timbre vocal de notre consoeur Anastasie Doumbou qui était au commentaire de ce dossier. Archivage et gestion de documents, des matières que prennent très au sérieux les agents électoraux. À la Commission électorale nationale indépendante, on en a fait le contenu d'un atelier. L'idée est de lutter contre l'infox en protégeant les informations classées secrètes. Téti Samba Danaï. Durant deux jours, les participants à cet atelier se sont attelés sur les raisons essentielles de l'archivage, la gestion des documents jusqu'à leur élimination. Le cas échéant, leur entrée dans le système de conservation définitive, passant par leur numérisation, pour qu'au terme de leur délai de conservation, organiser l'élimination des dossiers sans valeur archivistique. Dans son mot de clôture, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a rappelé la place prépondérante qu'occupent dans une administration ou une institution les archives. Nous avions planifié certains sujets qui ont été abordés. Notamment, on avait commencé par les data science. On avait également abordé des questions liées à la numérisation. On avait parlé de l'état des lieux actuels des non-bibliothèques. On avait également abordé des questions liées au désherbage et puis une réflexion sur la création d'une bibliothèque électorale. Et donc nous devons être contents de voir que tous les sujets ont été abordés. Le questeur adjoint Sylvie Birimbano a rappelé que la CENI est entrée de plein pied dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Nous sommes venus dans cet atelier pour comprendre les procédures et la CENI est vraiment consciente qu'elle doit commencer à le faire dès à présent. Parce qu'il y a un adage qui dit que lorsque l'homme cessera de parler, les archives parleront à sa place. À l'issue des travaux, le directeur en charge des archives et documentation, Nikes Iboula, a dressé le rapport final. Ce que nous pouvons attendre de cet atelier, c'est que nous puissions lutter contre l'infobésité qui est relative à la croissance exponentielle des documents qui sont produits dans les différentes opérations que la CENI organise. Cet atelier a montré la prépondérance des archives permettant à la société de jouer toute une gamme de rôles aux communautés civilisées de s'enraciner et de se développer en favorisant notamment la recherche via la conservation adéquate des documents.
En politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, affûte ses armes pour affronter les échéances électorales de 2023. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, qui l'a affirmé, était face aux cadres et militants cette semaine. Plusieurs sujets politiques de l'heure ont été exploités au cours de cette matinée, comme nous le rapporte Alain Bicaille dans ce reportage. C'était une rencontre de recadrage et réarmement des troupes pour les échéances électorales de 2023. Selon le secrétaire général de l'IDP, Augustin Kabouya, son parti affûte les armes pour accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux échéances électorales de 2023. Ceux qui pensent qu'il n'y aura pas élection, ils doivent revoir leurs calculs. Pour nous, l'IDP, nous nous préparons tous les jours pour aller aux élections. Pour avoir une majorité en 2023. Concernant les désordres et confusions observées dans certaines fédérations de son parti à travers le pays, Augustin Kabouya précise que ces désordres sont œuvre des ennemis du parti des Sphinx délimités. Ils peuvent utiliser tous les moyens nécessaires, mais l'IDPS ne va plus disparaître. Tout ce que vous voyez dans des fédérations, ce n'est pas l'œuvre des enfants de l'IDPS eux-mêmes. C'est l'œuvre de l'ennemi. Les faibles ont accepté de vendre leurs âmes au moyen des billets verts. Sur la question du fonctionnement du parti, le numéro 1 de l'IDPS renvoie ses détracteurs à l'article 24 du statut de leur parti avant de renouveler sa confiance à tous les fédéraux suspendus par les gens sans titre ni qualité. Statut et Pessinga pouvoir comme secrétaire général, dans son article 24.1, il y a qu'à appliquer par décision, par recommandation, nyonso, il y a congrès. C'était aussi l'occasion pour lui d'annoncer sa tournée dans la province de Tshopo pour redynamiser les activités de son parti. Pour certains cadres présents à cette manifestation, en l'occurrence Toby Kayumbi et Maître Hubert Poutou, la communication du secrétaire général vient de dissiper tout malentendu au sein du parti. La prestation de serment de haut magistrat de la République renforce un peu plus encore l'état de droit que prône le chef de l'État. L'argument est soutenu par plusieurs Congolais comme Mike Kitenge Makolo, président de la dynamique Kitenge Yezu, qui a réagi au micro de nos reporters. On écoute. La différence entre le présent et le passé, c'est que maintenant c'est l'état de droit. Je veux dire, l'état de droit est le socle de la réussite du mandat du président Tshisekedi parce qu'il l'a mis en avant. Et lorsque des hauts magistrats sont élevés, nous sommes vraiment dans le droit. Le facteur compétence est le premier choix chez le chef de l'État. Lorsque le chef de l'État nomme une personne, c'est toujours par rapport à sa compétence. Vous pouvez lui faire confiance. La politique se fait avec le cerveau et non les sentiments. Nous avons nos frères congolais qui ont de grands espoirs parce qu'actuellement, ils ont un président exceptionnel. La reine Colo, c'est cette femme politique qui désormais met en valeur le côté social de sa vision du Congo à travers une fondation qui porte son nom. L'initiatrice de la FLK était ce week-end à La Tchangou au contact de sa cible première, les veuves et filles mères. José Baïtombe, commentaire. Des femmes autonomes au cœur du développement de la République démocratique du Congo, c'est cette vision qui constitue désormais le socle de la fondation La Reine Colo pour le social des populations. L'initiatrice de la FLK était ce week-end à La Tchango pour sensibiliser les veuves et jeunes filles sur les rôles que peut jouer une femme autonome dans le développement d'une nation. Ces femmes, en séance tenante, donnaient leur accord pour se laisser conduire par les idées novatrices de la fondation. Il faut noter que si nous sommes là aujourd'hui, tout d'abord, c'est comme vous l'avez dit, c'est dans le cadre de l'implantation, mais aussi ça a un impact pour dire que la fondation, elle est réelle, elle est là. Donc je suis venu présenter la fondation à tout le peuple, la population de Kibanté qui enfin de s'adapter pour un social meilleur. Femme sociale, mais aussi politique, la reine Colo a saisi l'occasion de sa descente à La Tchangou pour demander à ces femmes et jeunes de renouveler leur confiance au chef de l'État, premier visionnaire du pays. D'abord, nous remercions le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui le grand porteur de la vision
Donc nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Mais en ce qui concerne la fondation, nous n'avons nullement intention de venir présenter le chef de l'État ici dans le cadre de l'élection. Donc c'est le social, c'est le développement. Après cette étape réussie de la Tchangou, la fondation La Reine Colo s'installe comme bras séculier du processus de développement du pays amorcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Genre, masculinité positive, lutte contre les violences basées sur les genres, des sujets à l'ordre du jour d'un atelier de renforcement des capacités dans les rangs de forces armées de la République. Une centaine d'officiers stagiaires de l'école de commandement et de l'état-major de FRDC ont suivi cette formation assurée par l'experte en genre Faïda Mwangilois, Christine Lenzo et Simon Kankolongo. Signe ce reportage. C'est près de 100 stagiaires militaires de l'école de commandement et de l'état-major général des FARDC qui ont suivi cette formation sur les genres, les masculinités positives et sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. À cette formation organisée et assurée par l'experte en genre Faïda Mwangilois du bureau BCG-PCD avec l'appui de Men Engage et des FARDC, on y a associé une dizaine de cadres militaires. Une façon de renforcer leur capacité pour les amener à un changement de mentalité, au leadership et à la redevabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans une école de formation de commandement. Nous espérons que ces militaires seront en tout cas des champions en genre au niveau de leur détachement respectif. J'ai dit que l'objectif a été atteint. Il y a des participants qui ont témoigné combien ils pensaient que ces histoires de genre, c'était une distraction. Faïda Mwangilois était renchérie par les Général Justine Chechi Mayou, responsable du genre et chef du département training à l'état-major général des FRDC, occasion pour elle de marteler sur la discipline et sur le comportement exemplaire des militaires à n'importe quel endroit, avant d'insister sur la formation continue à prendre en compte par les personnels militaires féminins. Vous tomberez peut-être dans les prochains jours sur un document intitulé Sinamed Info. Sachez qu'il s'agit du bulletin d'information du syndicat national de médecins du Congo, Sinamed. Son tout premier numéro a été porté sur les fonts baptismaux par le ministre de la Santé publique, Eric Abamba. Reportage. Cet ouvrage de plusieurs pages vient ainsi de combler les vides communicationnels et d'informations concernant le syndicat national de médecins du Congo. Ce syndicat dispose d'un bulletin d'information dénommé Sinamed Info qui donne dans le moindre détail toutes les informations des activités de cet ASBEL. Ce premier numéro, qui se veut trimestriel, a été porté sur fonds baptismaux par le ministre de la Santé Jean-Jean Bongani, qui l'a souhaité. Point succès et a même salué l'initiative. Pour le directeur de publication, le docteur Fabien Nzoko, ces bulletins seront en quelque sorte un outil de visibilité des différentes réalisations et projections du Sinamed. C'est un bulletin qui sert à communiquer essentiellement les informations syndicales, beaucoup plus d'abord en faveur des membres du Sinamed d'ASBL, mais aussi de la population. Donc ce bulletin d'information sert à communier entre les membres du Sinamed, la base et le sommet bien sûr, mais aussi entre le Sinamed et le monde extérieur. Ce bulletin d'information a l'avantage d'être le miroir du Sinamed, donc à servir de visibilité aux multiples actions et activités que mènent les différentes structures du Sinamed. Ce nouveau bulletin permettra de communiquer en temps réel et donner de l'information sur le fonctionnement du Sinamed, a fait entendre son secrétaire général, le docteur John Senga. Cette première publication du Sinamed est destinée à éclairer la population sur de multiples sujets concernant sa relation avec le médecin. Et puisque nous parlons de médecins, vous devez certainement savoir que ceux des établissements publics sont en grève depuis près de 2 mois. Une grève évaluée au cours d'une assemblée extraordinaire qui a constaté que la solution n'est pas au rendez-vous, d'où cet appel lancé au président de la République pour son implication. René Panda. Bureau exécutif provincial du Sinamed, ville-province de Kinshasa, tient à informer à l'opinion tant nationale qu'internationale que la grève déclenchée par le médecin des services publics de l'État, membre du Sinamed ASB depuis le 6 juillet 2022, se poursuit jusqu'à ce jour sous sa forme hôpitaux sans médecin. Tout en étant ouvert à toute négociation en vue de dénouer cette crise, le médecin membre du Sinamed
ville province de Kinshasa s'étonne de la léthargie que manifestent les banques gouvernementales en dépit de la proposition des plans de sortie de crise proposés par le SINAMED au travers le bureau exécutif national et de la feuille de route il y a près de deux semaines avec les experts du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Cette indifférence de la part du gouvernement ne laisse entrevoir aucune volonté manifeste de répondre aux revendications des médecins en rapport avec leurs droits et avantages bien détaillés dans les services spécifiques des médecins des services publics de l'État de 2006. En dépit de cette mauvaise foi du gouvernement de la République, le SINAMED, par le bureau exécutif national, a fait preuve d'un esprit patriotique en faisant confiance au gouvernement de la République dit des Warriors, en faisant confiance à ce gouvernement, par la confiance lui est faite au budget 2022 qualifié du social et étant ouvert à toute négociation en vue du dénouement de cette crise basée sur les revendications sur la profession des médecins. Et on termine ce journal magazine par une note sportive avec les Léopards locaux de la République démocratique du Congo qui ont validé ce dimanche leur ticket pour la phase finale du championnat d'Afrique de Nations Algérie 2023 en battant cet après-midi au stade de Martyrs de la Pentecôte les Sao du Tchad par un score fleuve de 5 buts à rien. Des réalisations signées Jean-Marc Mundele-Makoussou avec un doublé, Maxime Pia, Ernest Luzolo et Philippe Kinzoumi. Un match qui comptait pour la seconde manche du barrage des éliminatoires CHAN 2023. Lors de la première manche disputée à Yaoundé au Cameroun, les Léopards avaient remporté la partie par un score de 2-1. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda. Moi, je retrouve le dimanche prochain à la même heure avec le même plaisir. Bonsoir.